Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Bonjour à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre en direct depuis la basilique Saint-Pierre à Rome, d'où le pape va présider dans un court instant, dans quelques petites minutes, la messe chrismale en ce jeudi 28 mars, jeudi saint, premier jour du Triduum Pascal, comme l'est de tradition au Vatican. Messe que vous retransmet en direct Vatican Média et Radio Vatican. Déjà la procession d'entrée avec vous pour les commentaires, Françoise Niamière, ravie d'être en votre compagnie. Nous saluons toutes nos télévisions et radios partenaires. Alors que nous assistons à la procession d'entrée, IWTN TV, Radio Espérance, Radio Notre-Dame, Radio Salve Regina en Corse, France, Santa Maria Network, Liban, Celle et Lumière TV, Radio Chrétienne Associée France. Nous n'oublions pas nos internautes qui nous suivent via notre site internet vaticannews.va, notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Voilà, nous assistons donc à la procession d'entrée, le chant de cette procession d'entrée tirée du psaume 131. Que tes prêtres portent avec eux le salut comme ils portent leurs vêtements, que tes fidèles crient leur joie pour l'amour de ton serviteur David. Ne repousse pas le roi que tu as consacré. Le Seigneur fait en ce serment à David, il ne l'en délira pas. Certainement pas, c'est un de ses fils que j'ai choisirai pour en faire le roi qui te succédera. Donc la procession d'entrée de cette messe chrismale présidée par le pape François, évêque de Rome, le pape qui pour cette messe d'entrée, cette messe chrismale, est entouré, cette messe chrismale donc est concélébrée par les patriarches, les cardinaux, archevêques, évêques et prêtres diocésains et religieux présents à Rome et en présence du peuple de Dieu. Tout le monde est bel et bien en place et au cours de cette messe, le pape va donc bénir l'huile pour l'onction des malades et celle pour les catéchumènes avant de consacrer le Saint-Crème. Au cours de cette messe également qui manifeste l'unité de toute l'église diocésaine autour de son évêque, les prêtres vont renouveler leur promesse sacerdotale à vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus-Christ. Et pour cette célébration, les prêtres présents vont renouveler leur promesse sacerdotale au pape François, évêque de Rome. Nous vous souhaitons une très belle messe chrismale. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous êtes en direct de la basilique Saint-Pierre pour la messe chrismale en ce jeudi saint, premier jour du Triduum Pascal, messe présidée par le pape. Et à l'instant, l'autel qui vient d'être encensé. Voilà.
maintenant l'icône de la Vierge Marie, la statue de la Vierge Marie. Rappelons que la messe chrismale qui a lieu pendant la Semaine Sainte, mais elle n'appartient pas au Triduum Pascal. Elle a lieu le plus souvent le jeudi saint, comme c'est le cas aujourd'hui au Vatican, comme il est de tradition au Vatican. Elle peut toutefois être transférée à un autre jour pourvu qu'elle soit proche de Pâques. Ceci étant, dans beaucoup de diocèses à travers le monde, la messe chrismale a été célébrée l'un ou l'autre des trois premier jour de la Semaine Sainte. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Pitié de nous, Seigneur, contre toi, nous avons péché. C'est ce que chante la chorale. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni. Dieu tout-puissant, aie pitié de nous, pardonne-nous nos péchés et conduis-nous à la vie éternelle. Le Gloria. Thank you.
Prions. Prions. Seigneur Dieu, tu as donné l'onction de l'Esprit Saint à ton Fils unique et l'a établi Christ et Seigneur, nous t'en prions. Puisque tu nous fais participer à sa consécration, accorde-nous d'être dans le monde les témoins de la rédemption par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Nous entrons maintenant dans la liturgie de la parole. Dal libro del profeta Isaia. La première lecture est tirée du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur et un jour de revanche pour notre Dieu. Alors, tous ceux qui pleurent, je les consolerai. Au lieu de la cendre de pénitence, je mettrai sur leur tête le diadème. Ils étaient en deuil, je les parfumerai avec l'huile de joie. Ils étaient dans le désespoir, je leur donnerai des habits de fête. Et vous, vous serez appelés les prêtres du Seigneur. On vous nommera les serviteurs de notre Dieu. Je vous donnerai fidèlement la récompense et je conclurai avec vous une alliance éternelle. Votre descendance sera célèbre parmi les nations et votre prospérité au milieu des peuples. Tous ceux qui la verront reconnaîtront en elle la descendance bénie par le Seigneur. Parole du Seigneur. La première lecture tirée du livre d'Isaïe, chapitre 61, versets 1 à 9. Le psaume responsoriel qui est chanté. Ton amour, Seigneur, sans fin, je le chanterai. Psaume 88. Autrefois, tu as parlé à tes amis. Dans une vision, tu leur as dit, j'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai sacré avec mon huile sainte. Ma main sera pour toujours avec lui. Mon bras fortifiera son courage. Mon amour et ma fidélité sont avec lui. Mon nom accroît sa vigueur. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. La deuxième lecture tirée du livre de l'Apocalypse de Saint Jean. «
Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le souverain des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous le roi, le royaume et les prêtres de Dieu, son Père, à lui, gloire et puissance pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient parmi les nuées, et tous les hommes le verront, même ceux qui l'ont transpercé. Et en le voyant, toutes les tribus de la terre se lamenteront. Oui, vraiment, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Je suis celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Parole de Dieu. La deuxième lecture de cette messe chrismale depuis la basilique Saint-Pierre, présidée par le pape François. L'évangile qui va suivre, l'évangile tiré de Saint-Luc, chapitre 4, versets 16 à 21. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Merci à tous et à toutes de nous rejoindre dans cette célébration de la messe chrismale depuis la basilique Saint-Pierre de Rome, messe présidée par le pape François. Nous sommes à l'étape de la proclamation de l'Évangile. Merci de vivre cette messe chrismale avec nous. Il Signore sia con voi. Il Signore soit avec vous et avec votre esprit. Évangile selon Saint Luc, chapitre 4, versets 16 à 21.
diacre qui va encenser l'évangéliaire avant la proclamation de l'évangile. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth où il avait grandi. Comme il avait l'habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui présenta le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres et aux aveugles qu'ils verront la lumière, apporter aux opprimés la libération, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire, « Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. » Parola del Signore. Parole du Seigneur. Cette messe qui va se poursuivre après la proclamation de l'Évangile. Une messe à laquelle sont présents plus de 4000 fidèles, parmi lesquels 1500 prêtres. Le pape qui va maintenant prononcer son homélie. Nella synagoga. Dans la synagogue, tous avaient les yeux fixés sur lui. Ce passage de l'Évangile est toujours frappant. Il nous permet de visualiser la scène, d'imaginer en ce moment de silence où tous les regards étaient fixés sur Jésus, dans un mélange d'étonnement et de méfiance. Nous savons cependant comment cela s'est terminé. Après que Jésus eut démasqué les fausses attentes de ses compatriotes, ceux-ci devinrent furieux, sortirent et le chassèrent hors de la ville. Leurs yeux s'étaient fixés sur Jésus, mais leur cœur n'était pas disposé à changer sur sa parole. Ils ont ainsi perdu la chance de leur vie. Mais ce soir, jeudi saint, un autre croisement de regards a lieu. Le protagoniste est le premier pasteur de notre Église, Pierre. Au début, lui non plus ne s'est pas fié à la parole démasquante que le Seigneur lui a adressé. Tu m'auras renié trois fois. Il a ainsi perdu de vue Jésus et l'a renié au chant du coq. Mais ensuite, quand le Seigneur se retournant, posant son regard sur lui, celui-ci se souvient de la parole que le Seigneur lui avait dite, il sortit. Dehors pleura amèrement. Ses yeux furent inondés de larmes qui jaillirent d'un cœur blessé, se libérant des fausses convictions et justifications. Ces larmes amères ont changé sa vie.
Les paroles et les gestes de Jésus pendant des années n'avaient pas fait dévier Pierre de ses attentes qui étaient semblables à celles des habitants de Nazareth. Lui aussi attendait un Messie politique et puissant, fort et décidé, et face au scandale d'un Jésus faible, arrêté sans opposer de résistance, il déclara « Non, je ne le connais pas ». Et c'est vrai, il ne le connaissait pas. Il a commencé à le connaître quand, dans l'obscurité du reniement, il a fait place aux larmes de la honte et du repentir. Et il le connaîtra vraiment quand, peiné, parce que pour la troisième fois, Jésus lui demandait « M'aimes-tu ?» Il se laissait pleinement traverser par le regard de Jésus. Alors, du nom, je ne le connais pas. Il passera au Seigneur, toi, tu sais tout. Chers frères, prêtres, la guérison du cœur de Pierre, la guérison de l'apôtre, la guérison du pasteur a lieu lorsque, blessé et repentant, on se laisse pardonner par Jésus. Elle passe par les larmes, les pleurs amères, la douleur qui nous permet de redécouvrir l'amour. C'est pourquoi j'ai depuis longtemps désiré partager avec vous, en ce jeudi saint de l'année de la prière, quelques réflexions sur un aspect plutôt négligé, mais essentiel de la vie spirituelle. Je vous propose à nouveau, avec un mot peu désuet, mais qu'il est bon, je crois, de redécouvrir la compunction. De quoi s'agit-il? Le mot évoque la piqûre. La compunction est une piqûre au cœur, une perforation qui le blesse, faisant couler les lames du repentir. Un épisode concernant encore Saint-Pierre nous aide. Transpercé par le regard et par les paroles de Jésus ressuscité le jour de la Pentecôte, purifié et embrassé par l'Esprit, il proclame aux habitants de Jérusalem, « Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. » Les auditeurs ressentent à la fois le mal qu'ils ont fait et le salut que le Seigneur leur accorde. Et en entendant ces choses, dit le texte, ils furent touchés au cœur. Voici la compunction. Elle n'est pas un sentiment de culpabilité qui abat, ni un scrupule qui paralyse, mais une piqûre salutaire qui brûle à l'intérieur et guérit, parce que le cœur, lorsqu'il voit son mal et se reconnaît pécheur, s'ouvre, accueille l'action de l'Esprit Saint, eau vive qui l'aime et fait couler des larmes sur son visage. Celui qui jette le masque et laisse Dieu regarder dans son cœur reçoit le don de ses larmes, les eaux les plus saintes après celles du baptême. Chers frères, prêtres, aujourd'hui, je vous souhaite cela. Il faut cependant bien comprendre que ce que signifie pleurer sur nous-mêmes, il ne s'agit pas de nous pleurer dessus comme nous sommes souvent tentés de le faire. C'est le cas, par exemple, lorsque nous sommes déçus ou inquiets à cause de nos attentes qui ont échoué, du manque de compréhension des autres, peut-être des confrères et des supérieurs. Ou bien lorsque un étrange et malsain plaisir de l'âme, nous aimons ressasser les torts que nous avons reçus pour nous apitoyer sur notre sort, en pensant avoir pas reçu ce que nous méritons, en imaginant ce que l'avenir peut nous réserver. Cela enseigne Saint Paul, c'est la tristesse selon le monde, opposée à la tristesse selon Dieu.
Pleurer sur nous-mêmes, au contraire, c'est nous repentir sérieusement d'avoir attristé Dieu avec le péché. C'est reconnaître que nous sommes toujours en dette et jamais en crédit. C'est admettre que nous avons perdu le chemin de la sainteté, n'ayant pas su garder la foi en l'amour de celui qui a donné sa vie pour nous. C'est regarder en moi-même et regarder mon ingratitude et mon inconstance. C'est réfléchir avec tristesse sur ma duplicité et mes mensonges. C'est descendre dans les méandres de mon hypocrisie pour ensuite, à partir de là, lever le regard. L'hypocrisie, soyons très attentifs, l'hypocrisie. Et à partir de là, lever le regard vers le crucifié et me laisser émouvoir par son amour qui pardonne toujours et révèle, qui ne déçoit jamais les attentes de ceux qui se confient en lui. Ainsi, les larmes continuent à couler et purifient le cœur. La compunction, en effet, demande un effort, mais redonne la paix. Elle ne provoque pas d'angoisse, mais soulage l'âme de ses fardeaux parce qu'elle agit dans la blessure du péché en nous disposant à y recevoir la caresse du médecin céleste qui transforme le cœur quand il est brisé et broyé, adouci par les larmes. La compunction est donc l'antidote à la sclérocardie, à la dureté de cœur tant dénoncée par Jésus. Le cœur, en effet, sans repentir et sans pleurer, se raidit. Il devient d'abord routinier, puis insouciant aux problèmes et indifférent aux personnes, puis froid et presque impassible, comme enveloppé d'une coque incassable et finalement de pierre. Mais comme la goutte creuseuse de pierre, les lames creusent lentement les cœurs endurcis. On assiste ainsi au miracle de la tristesse qui conduit à la douceur. Nous comprenons alors pourquoi les maîtres spirituels insistent sur la compunction. Saint Benoît invite à confesser chaque jour à Dieu dans la prière ses fautes passées avec larmes et gémissements. Et il affirme qu'en priant, ce n'est pas dans un flot de paroles, mais dans la pureté du cœur et l'âme de la compunction que nous serons exaucés. Et si pour Saint Jean Chrysostome, une seule âme, l'âme, est un brasier de fautes, l'imitation du Christ recommande « Disposez votre cœur à la compunction, car à cause de la légèreté de notre cœur et de l'insouciance de nos défauts, souvent, nous ne sentons pas les maux de notre âme. » La compunction est le remède. La compunction est le remède parce qu'elle nous ramène à la vérité sur nous-mêmes, de sorte que la profondeur de notre être de pécheur révèle la réalité infinie plus grande de notre être de pardonné. La joie d'être pardonné. L'affirmation d'Isaac de Ninive n'est donc pas surprenante. Celui qui oublie la mesure de ses propres péchés oublie la mesure de la grâce de Dieu à son égard. C'est vrai. Chers frères et sœurs, cette chaque renaissance intérieure naît toujours à la rencontre de notre misère et sa miséricorde. Notre misère et sa miséricorde se rencontrent. Elle passe par notre pauvreté d'esprit qui lui permet à l'Esprit Saint de nous enrichir. On comprend dans cette lumière les affirmations fortes de nombre de maîtres spirituels.
Pensons à celle paradoxale de Saint Isaac. Celui qui connaît ses propres péchés est plus grand que celui qui, par la prière, ressuscite les morts. Celui qui pleure une heure sur lui-même est plus grand que celui qui sert le monde entier par la contemplation. Celui à qui il est donné de se connaître lui-même est plus grand que celui à qui il est donné de voir les anges. Frères, venons en nous-mêmes et demandons-nous combien la compunction et les larmes sont présentes dans notre examen de conscience et dans notre prière. Demandons-nous si, avec les années, les larmes augmentent. À cet égard, il est bon que le contraire se produise par rapport à la vie biologique où, quand on grandit, on pleure moins que lorsque on est enfant. La vie spirituelle, en revanche, où il est important de devenir un enfant, celui qui ne pleure pas régresse. Il vieillit intérieurement, tandis que celui qui parvient à une prière plus simple et plus intime, faite d'adoration et d'émotion devant Dieu, mûrit. Il s'attache de moins en moins à lui-même et de plus en plus au Christ et devient pauvre en esprit. Il se sent ainsi plus proche des pauvres, les bien-aimés de Dieu, qu'auparavant, comme l'écrit Saint François dans son testament. Il tenait à l'écart parce qu'il était dans le péché, mais dont la compagnie d'amère qu'elle était devient douce. Ainsi, celui qui a la compunction dans le cœur se sent de plus en plus frère de tous les pécheurs du monde, sans aucun sentiment de supériorité ou de dureté de jugement, mais avec le désir d'aimer et de réparer. Voici une autre caractéristique de la compunction, la solidarité. Un cœur docile, animé de l'esprit des béatitudes, devient naturellement enclin à la compunction pour les autres, au lieu de se mettre en colère et de se scandaliser du mal fait par ses frères. Il pleure leurs péchés. Il se produit une sorte de renversement. La tendance naturelle à être indulgent avec soi-même et inflexible avec les autres s'inverse, et par la grâce de Dieu, on devient ferme avec soi-même et miséricordieux avec les autres. Et le Seigneur recherche, surtout parmi ceux qui lui sont consacrés, ceux qui pleurent les péchés de l'Église et du monde, en se faisant instrument d'intercession pour tous. Combien de témoins héroïques dont l'Église nous montre cette voie. Pensons aux moines du désert, en Orient et en Occident, à l'intercession continue faite de gémissements et de l'âme de Saint Grégoire de Narek, à l'offrande franciscaine pour l'amour non aimé aux prêtres comme les curés d'As qui ont vécu de pénitence pour le salut des autres. Chers frères, à nous, ces pasteurs, le Seigneur ne demande pas de jugement méprisant à l'endroit de ceux qui ne croient pas, mais de l'amour et des larmes pour ceux qui sont loin. Les situations difficiles que nous voyons et que nous vivons, le manque de foi, les souffrances que nous touchons, qui, au contact d'un cœur en compunction, ne suscitent pas la fermeté dans la polémique, mais la persévérance dans la miséricorde. Combien nous avons besoin d'être libérés de la dureté et des discriminations, des égoïsmes et des ambitions, des rigidités et des insatisfactions pour nous abandonner à Dieu
se confier et trouver en lui une paix qui sauve de toute tempête. Adorons, intercédons et pleurons pour les autres. Cela nous permettra au Seigneur de faire des merveilles. Et n'ayons pas peur, il nous surprendra. Notre ministère en bénéficiera. Aujourd'hui, dans une société sécularisée, nous courons le risque d'être actifs et en même temps de nous sentir impuissants avec le résultat de perdre l'enthousiasme, avec la tentation de baisser les bras, de nous enfermer dans la plainte et de laisser la grandeur des problèmes l'emporter sur la grandeur de Dieu. Nous devenons alors amers et irritables, mais au contraire, l'amertume et la compunction portent sur notre. Toujours, nous parlons. Nous trouvons toujours des occasions pour se lamenter, pour nous lamenter. Si rivolgono anche al anziché al mondo, al proprio cuore, il Signore non manca di visitarci e rialzarci. Comme nous y exhorte l'imitation du Christ, n'attire pas à toi les affaires des autres et ne t'embarrasse pas dans celles des grands. Aie toujours l'œil sur toi d'abord et repens-toi, particulièrement toi-même, de préférence à tes meilleurs amis. Et si tu n'as pas la faveur des hommes, regarde-toi de t'en attrister, mais que la peine soit de ne pas avoir dans ta vie cette sagesse, cette compassion qui conviendrait à un serviteur de Dieu. Enfin, je voudrais souligner un aspect essentiel. La compunction n'est pas tant le fruit de notre exercice, mais elle est une grâce et comme est telle, elle doit être demandée dans la prière. La repentance est un don de Dieu. Elle est le fruit de l'action de l'Esprit-Saint pour faciliter sa croissance. Je partage de petits conseils. Le premier est de ne pas regarder la vie et l'appel dans une perspective d'efficacité et d'immédiateté liée seulement à aujourd'hui et à ses urgences et attentes, mais dans l'ensemble du passé et de l'avenir. Du passé, en rappelant la fidélité de Dieu, en se souvenant de son pardon, en s'ancrant dans son amour, et de l'avenir en pensant du but éternel auquel nous sommes appelés à la fin dernière de notre existence. Élargir les horizons a aidé à dilater le cœur, stimule à rentrer en soi-même avec le Seigneur et à vivre la compunction. Un deuxième conseil qui en découle: redécouvrir la nécessité de nous consacrer à une prière qui ne soit pas due et fonctionnelle, mais gratuite, calme et prolongée. Frère, comment est ta prière? Revenons à l'adoration. N'oublions pas d'adorer. Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Ressentons la grandeur de Dieu dans notre petitesse de pécheur, afin de regarder en nous-mêmes et de nous laisser traverser par son regard, redécouvrant la sagesse de notre Sainte Mère, l'Église, qui nous introduit dans la prière avec l'invocation du pauvre qui crie. Dieu vient à mon aide. Bien-aimés, revenons enfin à Saint-Pierre
et à ses larmes. L'autel placé sur son tombeau ne peut que nous faire penser à combien de fois nous qui disons chaque jour « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous ». Nous décevons et attristons celui qui nous aime au point de faire de nos mains les instruments de sa présence. Il est donc bon de faire les paroles avec lesquelles nous nous préparons à voix basse. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Et encore, lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Frère, la certitude que nous a donnée aujourd'hui la parole nous console en toutes choses. Le Seigneur consacré par l'onction est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alors si le cœur est brisé, il peut être pansé et guéri par Jésus. Merci, cher prêtre. Merci. Merci pour vos cœurs ouverts et dociles. Merci pour vos peines et vos larmes. Merci parce que vous apportez la merveille de la miséricorde. Pardonnez toujours. Soyez miséricordieux. Et portez cette miséricorde à Dieu, aux frères et aux sœurs de notre temps. Chers prêtres, que le Seigneur vous réconforte et vous confirme et vous récompense. Merci. L'homélie du pape François en cette messe chrismale depuis la basilique Saint-Pierre de Rome. Voilà, pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes à la messe chrismale de ce jeudi saint depuis la basilique Saint-Pierre de Rome. Après l'homélie, donc un moment de silence pour la méditation personnelle. La messe se poursuit. Nous aurons droit à d'autres étapes, à d'autres temps forts de cette messe chrismale. Vous savez que la messe chrismale est l'occasion pour l'évêque de bénir les huiles pour les malades, les huiles pour Fili e fratelli carissimi, nella memoria annuale del giorno in cui Cristo Signore comunicò agli Apostoli e a noi il suo sacerdozio, volete rinnovare le promesse a suo tempo fatte? Nous sommes à l'étape de la rénovation des promesses sacerdotales. Et la première question posée par le pape et le pape, les prêtres qui répondent, voulez-vous vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus et chercher à lui ressembler en renonçant à vous-même, en étant fidèle aux engagements attachés à la charge ministérielle que vous avez reçue avec joie par amour du Christ et pour le service de l'Église au jour de votre ordination? Les prêtres qui répondent, oui, je le veux. Voulez-vous être les fidèles intendants des ministères de Dieu par la Sainte Eucharistie et les autres célébrations liturgiques et assurer fidèlement la charge sainte de l'enseignement à la suite du Christ, notre tête et notre pasteur, avec désintéressement et souci des hommes, des âmes?
Le pape qui se tourne maintenant vers le peuple de Dieu. Vous, mes frères et sœurs bien-aimés, priez pour vos prêtres, que le Seigneur réponde sur eux ses dons en abondance, afin qu'ils soient les fidèles ministres du Christ, le souverain prêtre, et vous conduisent à lui, la source du salut. Et le peuple de Dieu qui répond au Christ, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Priez aussi pour moi, votre évêque, que je sois fidèle à la charge apostolique qui m'a été confiée malgré ma faiblesse, que je reflète parmi vous une image vivante et toujours plus parfaite du Christ, bon pasteur, maître et serviteur de tous. Ô Christ, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Que le Seigneur nous garde les uns et les autres dans son amour, que lui-même nous conduise, pasteur et brebis, jusqu'à la vie éternelle. Voilà l'étape de la rénovation des promesses sacerdotales. Les prêtres présents qui ont renouvelé leur promesse sacerdotale au pape François, évêque de Rome. Et nous poursuivons avec une autre étape, celle de la liturgie de la bénédiction des huiles et de la consécration du Saint-Crème. Qui chante, qui rédempteur entend le chant des fidèles qui te louent. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes en direct de la basilique Saint-Pierre de Rome, d'où le pape préside en ce jeudi, sans la messe chrismale. Et après la rénovation des promesses sacerdotales, nous entrons dans une autre étape, un autre temps fort, qui sera la célébration, la bénédiction des huiles et la consécration du crème. Nous assistons à la procession donc des diacres qui portent à l'autel ces différentes huiles et le crème que le pape va bénir. Pour la bénédiction des huiles et de la consécration du crème, il faut le souligner, ce rite comportera, comme nous le voyons maintenant, la procession des huiles et leur présentation et leur bénédiction respective. L'huile des malades, elle, comme le nom l'indique, pour la célébration du sacrement des malades, elle apporte toute la symbolique thérapeutique de certaines huiles et manifeste la compassion de l'Église pour les malades. L'huile des catéchumènes sert pour les rites préparatoires au baptême et montre la volonté d'invoquer la grâce de l'Esprit du Seigneur afin de soutenir la marche des fidèles en initiation. Et le Saint-Crème servira dès les fêtes pascales pour les sacrements de baptême, de confirmation et de l'ordre, en parlant d'ordre des ordinations sacerdotales et épiscopales, ainsi que pour les dédicaces des églises et les consécrations d'autels.
Ecco l'olio degli infermi. Le diacre qui présente au pape l'huile des malades pour que cette huile soit bénite. O Dio, Padre di ogni consolazione, che per mezzo tuo figlio hai voluto recare sollievo alle sofferenze degli infermi, manda dal cielo tuo Spirito Santo Paraclito su questo olio, frutto dell'olivo, nutrimento e sollievo del nostro corpo, e fondi la tua santa benedizione, perché quanti riceveranno l'unzione ottengano conforto nel corpo, nell'anima e nello spirito, e siano liberate da ogni malattia, angoscia e dolore. Questo dono della tua creazione diventa olio santo da te benedetto per noi, nel nome del nostro Signore Gesù Cristo, che vive e regna con te per tutti i secoli dei secoli. Amen. Après la bénédiction de l'huile des malades, le pape va bénir l'huile des catéchumènes. Ecco l'olio dei catecumeni. Le diacre qui présente l'huile des catéchumènes au pape. Pour sa bénédiction. O Dio, sostegno e difesa del tuo popolo, benedice quest'olio nel quale hai voluto donarci un segno della tua forza divina. Concedi energia e vigore ai catecumeni che ne riceveranno l'unzione, perché illuminati dalla tua sapienza comprendano più profondamente il Vangelo di Gesù, sostenuti dalla tua potenza, assumano con generosità gli impegni della vita cristiana, fatti dell'adozione a figli, giustino la gioia di rinascere e vivere nella tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Amen. Le pape qui va maintenant consacrer le crème. Ecco l'olio del Santo Crisma. Le diacre qui vient donc de présenter le Saint-Crème au pape pour sa bénédiction. Le diacre qui verse le parfum dans l'huile destinée aux crèmes. Après ce mélange, le pape va bénir le Saint-Crème. «
Fratelli carissimi, rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre Onnipotente perché benedica e santifica quest'olio misto a profumo e coloro che ne riceveranno l'unzione siano interiormente consacrati e resi partecipe della missione di Cristo Redentore. Le pape qui a donc soufflé sur le crème, le Saint-Crème. Oh Dio, fonte prima di ogni vita, autore di ogni crescita nello spirito, accogli il gioioso canto di lode che la Chiesa ti innalza con la nostra voce. Tu in principio facesti spuntare dalla terra alberi fruttiferi e tra questi l'olivo, perché dall'olio fluente venisse a noi il dono del crisma. Il profeta Davide misticamente presago dei sacramenti futuro cantò quest'olio che fa splendere di gioia il nostro volto. Dopo il diluvio, lavacro espiatore dell'iniquità del mondo, la colomba portò il ramoscello di olivo, simbolo dei beni messianici, e annunziò che sulla terra era tornata la pace. Nella pienezza dei tempi si sono avverate le figure antiche, quando distrutte i peccati nell'acqua del battesimo, l'unzione dell'olio ha fatto riaprire sul volto dell'uomo la tua luce gioiosa. Mosè, tuo servo, per tua volontà, purificò con l'acqua il fratello Aarone e con la santa unzione lo consacrò sacerdote. Il valore di tutti questi segni si rivelò pienamente in Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore. Quando egli chiese il battesimo a Giovanni nelle acque del fiume Giordano, allora tu hai mandato dal cielo in forma di colomba lo Spirito Santo e hai testimoniato con la tua stessa voce che in lui, tuo figlio unigenito, dimora tutta la tua compiacenza. Su di lui, a preferenza di tutti gli altri uomini, hai affuso l'olio dell'esultanza profeticamente cantato da Davide. Ora ti preghiamo, Padre, santifica con la tua benedizione quest'olio, dono della tua provvidenza, impregnalo della forza del tuo spirito e della potenza che emana dal Cristo, dal cui nome è chiamato Crisma. L'olio che consacra i sacerdoti, i re, i profeti, i martiri. Confermalo come segno sacramentale di salvezza e vita perfetta per i tuoi figli, rinnovati nella vacca spirituale del battesimo. Questa unzione li penetri, li santifichi, perché liberi dalla nativa corruzione e consacrati dall'esempio della tua gloria, spandano il profumo di una vita santa. Si compia in essi il disegno del tuo amore, e la loro vita integra e pura sia in tutto conforme alla grande dignità che li riveste come re, sacerdoti e profeti. Quest'olio sia crisma di salvezza per tutti i rinati dall'acqua dello Spirito Santo, li renda partecipe della vita eterna e commensali al banchetto della tua gloria. Per Cristo nostro Signore. Amen. Le pape qui vient donc de consacrer le Saint-Crème. Nous venons donc d'assister à la bénédiction de l'huile des malades, ainsi que de l'huile des catéchumènes et à la consécration du Saint-Crème par le pape François en cette messe chrismale.
après la communion, un moment de silence, de prière. Merci toujours de vivre ce temps, ce moment donc avec nous. La célébration du dimanche de Pâques avec la bénédiction Orbi et Orbi depuis la loge centrale de la Basilique Vaticane. Voilà quelques temps forts des célébrations pascales que préside le pape François. Maintenant, nous sommes à la messe chrismale. Nous poursuivons cette célébration qui tire à sa fin. Priamo. Le pape qui prend la parole. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Fratelli carissimi, abbiamo benedetto il crisma. Très frères et sœurs, nous avons béni le Saint-Crème, l'huile des catéchumènes et des malades. À vous, évêques et prêtres, elles vous sont maintenant confiées afin que par votre ministère, la grâce divine afflue dans les âmes, apportant force et vie. Respectez, vénérez et conservez avec un soin particulier ces huiles, signe de la grâce de Dieu. Les personnes, les lieux et les choses qui en seront marquées puissent-ils briller de la même sainteté de Dieu. Voilà, nous sommes à la fin de la messe et le pape qui donne cette recommandation aux prêtres afin que ces huiles qui... Ces huiles pour les malades et pour les catéchumènes et le Saint-Crème puissent briller de la même sainteté de Dieu. Il les a invités à respecter, à vénérer, à conserver avec un soin particulier ces huiles. Voilà. Thank you.
Voilà, nous sommes à la fin de cette messe chrismale depuis la basilique Saint-Pierre, présidée par le pape, en présence des prêtres, des cardinaux, des patriarches présents à Rome. Nous disons merci à tous ceux qui nous ont suivis et, à travers nos radios et télévisions partenaires, IWTN TV, Radio Espérance, Radio Notre-Dame, Radio Salve Regina en Corse-France, Santa Maria Network, Celle Lumière TV, Radio Chrétienne Associée de France. Rappelons que le Saint-Père présidera la messe Nicena Domini depuis une prison pour femmes du côté de Rebibbia, en périphérie de Rome, ce soir sur le coup de 16h30. Merci à toutes et à tous. Merci de nous avoir suivis. Là où détour Jésus Christus, loué soit Jésus-Christ. À très bientôt et très bonne célébration pascale.